Take thee the hammer, take it to the captain. Take thee the hammer, take it to the captain. Take thee the hammer, take it to the captain. Then I'm gone, buddy, you captain, I'm gone. Bonjour à tous, et bien comme annoncé dans la précédente vidéo, nous allons travailler aujourd'hui la grille de Take This Hammer de Lead Belly. Alors cette grille, elle est assez classique, c'est une grille en 8 mesures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une grille? On voit qu'il y a des carrés qui sont dessinés, il y en a donc 8. Chaque carré représente 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite selon le tempo. Et les lettres à l'intérieur représentent l'accord qui doit être joué sur ces quatre temps. Okay. Donc on a bien nos trois accords que nous avons étudiés précédemment, à savoir le sol, le ré et le do. G pour sol en notation internationale, D pour ré et C pour le do. Okay. Voilà, donc cette grille, je vous laisse le temps de la regarder. Et de la recopier. Donc c'est très simple. Sur chaque accord, donc sur chaque mesure, donc la guitare va jouer 4 fois son accord. Et puis ça va se répéter par exemple pour le ré. Donc on aura 4 temps en sol. Donc 4 fois le sol, 4 fois le ré, de nouveau 4 fois le ré, 4 fois le sol, 4 fois le sol, 4 fois le do. Et là, il y a une petite différence. Là, ça veut dire qu'on va jouer la moitié de la mesure en sol et la moitié de la mesure en ré, c'est-à-dire 2 temps sur le sol, 2 temps sur le ré et 2 temps sur le sol, pour finir. Si je la joue de façon très stricte, ça va nous donner ceci. La guitare va donc nous servir de métronome. 3, 4, 1. Ré. Encore ré. Et sol. De nouveau sol, puis do, 2, 3, 4, sol, ré, 1, 2, et sol, 3, 4. J'ai bien joué mes 8 mesures avec 4 temps dans chaque mesure. Maintenant, je vais essayer de joindre l'armo à la guitare sur cette même grille. Donc, la guitare va donc nous servir pour le coup de métronome. Elle va être bien droite sur la grille. Et l'harmonica, on va faire comme dans les vidéos précédentes. Sur la mesure en sol, on aspirera l'accord de sol, c'est-à-dire du trou 2 aspiré au trou 4 aspiré. Nous allons, sur les mesures en ré, donc aspirer le trou numéro 4. Et sur l'accord de do, donc sur la mesure qui est en do, nous allons souffler, peu importe où dans l'harmo, puisque finalement, sur notre harmo en do, l'accord soufflé est présent tout du long de l'harmonica. Ça va nous donner à peu près ceci. 1, 2, 3, 4. Exercice suivant, la guitare va toujours rester très droite, bien sur le tempo et bien sur les changements d'accords sur la grille. Mais cette fois, l'harmonica, au lieu d'être très très droit comme il l'était précédemment,
On va essayer de faire quelques onomatopées avec l'armo, de se rapprocher un petit peu du travail que fait le chant au niveau de la mélodie. Et tout en restant bien droit sur les toniques, on va essayer de faire quelques petites variations de souffle de façon à jouer à la croche, à la double croche et à la noire. Ça va nous donner à peu près ceci. 3, 4. Alors voilà, vous voyez, j'ai pas essayé trop de me concentrer sur le note à note. Là, j'ai essayé de donner quelques valeurs rythmiques, un autre aspect rythmique à chaque note. Exercice suivant. Alors là, on va essayer d'appuyer un petit peu sur l'indépendance entre l'harmonica et la guitare. On va essayer de bien rester concentré sur sa guitare, de bien être bien droit sur son jeu. Compter les temps, 1, 2, 3, 4 dans sa tête évidemment, mais c'est pas facile, mais on va essayer de s'y astreindre, c'est le seul moyen pour progresser au niveau de l'indépendance des deux instruments. Et là, on va laisser l'harmonica, on va rester bien concentré sur le nombre de temps, et on va essayer de... l'harmonica va divaguer un petit peu, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, et de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc aller chercher d'autres notes, essayer de varier, etc. De toute façon, ce type d'apprentissage, c'est du labyrinthe. Hein. C'est en se trompant qu'on ne fait plus, qu'on fait ce qui va bien et qu'on ne fait plus ce qui ne va pas bien, finalement. Allez, on essaie. 3, 4. Exercice suivant, on essaye un tout petit peu d'accélérer le rythme, et là l'harmonica on le laisse partir vraiment selon son inspiration. Pour l'instant c'est un exercice salutaire qui va vous permettre de faire vraiment un travail de fond sur l'indépendance entre la guitare et l'harmo, et de laisser vraiment les deux instruments faire leur route chacun de leur côté, sachant que la guitare elle devra être le maître des lieux, est bien garder son rythme et bien garder surtout le sens de sa grille, et donc respecter les temps sur chaque accord. Allez, on y va. 3, 4. Alors avec déjà tous ces exercices, il y a du grain à moudre. Hein. Donc je vous invite à vous rapprocher un petit peu de mes vidéos sur les gammes, sur l'utilisation des gammes pentatoniques à l'harmonica et leur description, de façon à ornementer votre jeu à l'harmo et à l'étoffer un petit peu sur cette grille. Alors maintenant on peut faire un dernier exercice pour aujourd'hui, à savoir essayer avec l'harmonica d'imiter la ligne de chant, de s'en rapprocher. Ça peut être un bon départ, un bon support. Assez facile à réaliser pour improviser sur notre morceau. Hein, bien maîtriser la ligne de chant, la mélodie du chant, c'est important, quel que soit le morceau, de façon à varier un petit peu son jeu d'harmonica. Donc ça nous donnerait à peu près ceci. 3. Voilà pour aujourd'hui sur la grille de Take Vive Hammer. Alors dans ma prochaine vidéo, je vous ferai voir un petit peu comment élaborer un jeu de guitare plus sophistiqué rythmiquement.
Et on continuera à travailler sur cette grille de Take Thee Hammer. Donc ça nous donnerait pour faire des choses à peu près comme celle-ci, quoi. Eh ben, bon travail à vous, bon souffle, bon jeu de guitare et à très vite. Ciao, ciao. Ben, celui-là, il avait qu'à passer encore plus près.